Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est quoi ça? Il a dit que Dieu te bénisse. Amen. Le thème de mon message ce soir, ce matin, c'est le commandant arrive maintenant. Hey! Il y a le thème de mon message, c'est quoi? Le commandant arrive maintenant. Dis à ton voisin, le commandant arrive maintenant. Le commandant arrive maintenant. Dis-lui encore une fois, le commandant arrive maintenant. Le commandant arrive maintenant. Et il est là. Pour moi. Pour mon année. Le commandant arrive. Maintenant. Parce que c'est mon jour. C'est mon année. C'est mon heure. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va lire Josué chapitre 5. Josué était nous. Verset 9 à 15. Josué le chapitre 5, verset 9 à 15 dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Hey, 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 hey. Alléluia. Amen. Je continue. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Ton amen a besoin d'unité et te dit la vérité. Amen. Ça, c'est le mauvais amen de 2016 là, tu envoies en 2017 là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des amen qui ont ouvert le ciel. Ton amen doit ouvrir le ciel. Amen. J'ai entendu des amen qui ont donné du travail à des gens. Ton amen doit donner travail à ta famille. Amen. 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 Non, je ne suis pas content. Hein. Je ne suis pas content. Hein. Mais je vois que Dieu me dit qu'il y a des femmes, des hommes, leur amen va leur donner leur mariage. Et puis ils sont en train de s'amuser. Voilà, le amen de Anne, ça lui a donné Samuel, un prophète. Ton amen doit te donner un enfant de prospérité. Amen. Un enfant légendaire. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Assois-toi s'il te plaît. Le thème de mon message. Le commandant arrive maintenant. Alléluia. Amen.
Dieu a parlé à Abraham. Genèse chapitre 12. Il dit, Abraham, je vais te bénir. Lève-toi. Quitte ta patrie. Quitte ta famille. Quitte tout ce que tu avais. Et va dans un pays que je vais te montrer. Dieu dit, Abraham, je vais te bénir. Non seulement je vais te bénir, je vais bénir ta descendance. J'ai dit quoi, excusez-moi. Dieu a dit quoi? C'est ça? Il a dit, Dieu a dit à qui? Abraham. Je me suis trompé. Dieu a dit à Samuel Simon, je vais te bénir. Et je vais bénir ton année. Je vais bénir ton année. C'est dans Genèse chapitre 12. Genèse. C'est dans le livre de l'expérience. Amen. Il dit. Amen. Toute la Côte d'Ivoire sera bénie par toi. Et là où tes pieds vont arriver, à Paris tu seras béni. Amen. À New York tu seras béni. Amen. À Corogo tu seras béni. Amen. En Afrique du Sud tu seras béni. Amen. Si tu le crois, dis je l'assois. Je l'assois. Tu crois pas. Yeah. Tu crois pas. Tu crois pas, tu crois pas. Je cours. Tu crois pas. Je cours. Il a dit, tu crois pas. Je cours. Il a dit, tu seras béni en Afrique. Tu seras béni en Europe. Amen. Tu seras béni à Dubaï. Amen. Tu seras béni aux États-Unis. Amen. Toi, Amen. Tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Abraham, Abraham. Non seulement tu seras béni. Oh. J'ai dit quoi là? Tabi sera béni. Il n'a pas dit Abraham. Il dit Somme de Simon. Tabi sera béni. Non, il dit, non, c'est pas toi, c'est moi. Il dit Somme de Simon. Tabi. Non. C'est pas toi. Mais il dit Somme de Simon. Tabi sera béni. Non seulement tu seras béni, mais tu deviendras une fontaine de bénédictions. Amen. Un puits de bénédictions. Amen. Je suis béni. Je suis béni. 2017, je suis béni. Chaque jour de cette année, je suis béni. En tout lieu, je suis béni. Et je deviens une source de bénédictions. Alléluia. Amen. Il y a le 2017, tu as quoi? Je suis béni. Je te dis, 2017, tu as quoi? Je suis béni. Alléluia. Amen. Ce soir, quand je suis arrivé, j'ai reçu un SMS d'une femme pour qui on a eu à prier. Elle me dit, pasteur, oh my God, elle dit, pasteur, l'Éternel m'a guéri du cancer. Je suis là. Le Dieu qui l'a guéri, il t'a guéri au nom de Jésus. J'ai dit, il t'a guéri au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, il t'a guéri au nom de Jésus. Quel que soit ton problème, il t'a guéri au nom de Jésus. Il t'a guéri au nom de Jésus. Alléluia. Assois-toi. Là où tu es assis, la guérison t'habite au nom de Jésus. Amen. La guérison rentre à ton sang au nom de Jésus. Amen. Chaque partie de ton corps est visitée par la guérison. Amen. La guérison de l'Éternel. Une guérison parfaite et totale. Si tu le crois, dis trois fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu parle à Abraham. Abraham passe. La prophétie est restée suspendue. Dieu répète la chose à Isaac. Isaac passe. La prophétie est restée suspendue. Dieu dit la même chose à Jacob. Jacob passe. La prophétie est restée suspendue. Dieu déclare aux 12 tribus d'Israël. Et les 12 patriarches passent. La prophétie est restée suspendue. Dieu a parlé à Moïse, son grand serviteur. Moïse est passé. La prophétie est restée suspendue. Arrivé au temps de Josué, il dit, c'est toi qui vas rentrer dans la terre promise. Je suis le Josué de 2017. Je suis le Josué de 2017. Ma prophétie ne peut pas passer.
Ma prophétie va s'arrêter. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Au nom de Jésus. Sois-toi. J'ai oublié le thème de mon message. Le commandant arrive maintenant. Il arrive quand? Maintenant. Il a dit il arrive quand? Maintenant. Mais qui arrive? Le commandant. La prophétie qu'ils avaient donnée par rapport aux autres s'est passée. La prophétie que Dieu a donnée sur mes parents. Mes parents sont passés, mais moi, ma prophétie, ça ne peut pas passer. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser pour moi. Moïse était un grand serviteur de Dieu. Moïse était un homme extraordinaire. Mais Moïse a laissé la prophétie de la conquête de la terre promise. Josué chapitre 1. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Moïse, l'homme qui parlait avec moi bouche à bouche, il est mort. Moïse, l'homme de miracle est mort. Il dit, Josué, lève-toi. Ce que je te demande, c'est de méditer ma parole nuit et jour. Parce que c'est toi qui vas accomplir ce que j'ai déclaré au patriarche. Quel que soit le serviteur de Dieu qui t'a devancé, quelle que soit la servante de Dieu qui t'a devancé, quelle que soit sa grandeur, s'il y a des choses positives qu'il n'a pas pu réaliser, toi tu le réalises. J'ai dit toi tu le réalises. J'ai dit toi tu le réalises. Je te déclare, toi tu le réalises. Dis je le réalise. Je le réalise. Il dit je le réalise. Je le réalise. Au nom de Jésus. Sois toi. Ouais. Josué prend conscience de son rôle. Josué, et il arrête de se minimiser. Parce qu'il voit que Dieu compte sur lui. Tout à l'heure, je t'ai dit que Dieu t'a sélectionné. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés n'ont pas pu être là. Dans ce moment de gloire que nous avons suivi. Arrête de te mépriser. Arrête de te minimiser. Quand Dieu compte sur toi, c'est qu'il compte sur toi. Il a compté sur David. David a été un grand roi. Il a compté sur Gédéon. Gédéon était un grand guerrier. Il a compté sur Paul. Paul était un grand apôtre. 2017, c'est sur nous que Dieu compte. Je dis, c'est sur nous que Dieu compte. Dis Dieu, tu comptes sur moi. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu comptes sur moi. Je lui dis merci Seigneur. Parce que tu comptes sur moi. Malgré mes faiblesses. Malgré mes limites. Tu comptes sur moi. Et je veux glorifier ton nom. Je veux glorifier ton nom. Alléluia. Amen. Josué prend conscience de sa responsabilité. Et il décide de faire la volonté de Dieu. Il dit à Israël, apprêtez-vous, on va traverser le Jourdain. Le Jourdain était le premier grand obstacle. Jourdain en hébreu, ça signifie trouble. Écoute-moi bien ce matin. Tu es rentré en 2017. Mais il y a des troubles que le diable attrape. Il y a des troubles que le diable a programmés. Il y a des troubles que les jaloux ont programmés. Mais les troubles qui sont devant toi, comme Josué a traversé, tu vas les traverser au nom de Jésus. Dis, je vais les traverser au nom de Jésus. 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 Quels que soient les troubles sur ma vie, quels que soient les troubles devant de moi, je les traverse au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi, s'il te plaît. Josué a traversé le Jourdain d'une façon extraordinaire, d'une façon miraculeuse. Après le Jourdain, voilà un autre obstacle qui est là, Jéricho. Mais dans le texte qu'on a lu, Yvette, faut relire le verset 9 s'il te plaît. 9. Quelqu'un lit le verset 9, moi s'il te plaît. 9. Josué chapitre 5, le verset 9. Écoute. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à qui? Simon.
Atrabi. Alexis. Oui. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous. Il a dit quel jour? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il a dit quel jour? Aujourd'hui. Regarde dans ta Bible. C'est quoi, Bible? Il a dit hier. Non. Il a dit aujourd'hui. Il a dit quel jour? Aujourd'hui. Il dit aujourd'hui quoi? Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre. Il dit que ni tiens, tu as point comme ça. Dans certaines Bibles, on dit. Aujourd'hui, j'ai enlevé la honte de l'Égypte sur toi. La honte de l'Égypte est enlevée. Il dit la honte de l'Égypte est enlevée. Amen. L'humiliation de l'Égypte est enlevée. Amen. Dans la parole de Dieu. L'Égypte. C'est le symbole de la souffrance. L'Égypte. C'est le symbole de l'esclavage. L'Égypte. C'est le symbole de la prison, des difficultés. Mais aussi l'Égypte, c'est le symbole de l'ancienne vie, la vie avant Jésus. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire que cette honte-là, il a enlevé. Amen. Il a quoi? Enlevé. J'ai dit, il a quoi? Il a enlevé. Je te demande, il a quoi? Il a enlevé. Il a enlevé. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, 1er janvier 2017, vois, oui. J'enlève la honte de l'Égypte de dessus toi. Amen. Dieu est bon. Pas. Quand Dieu dit qu'il a enlevé quelque chose, c'est fini, c'est terminé. Dieu est bon. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Pour ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est bon. Mais quand on continue le texte, parce que aussi les gens qui ont traversé le désert pendant 40 ans, la Bible dit qu'il y a un miracle que Dieu a fait là-bas. Dans la nourriture. Chaque jour. Les 6 premiers jours de la semaine, Dieu envoyait la manne. Mais arrivé maintenant, à côté de la terre promise, Dieu a décidé de changer le régime. Il a fait arrêter la manne. Et il lui a donné la nourriture de la terre promise. Je vous rappelle, frères et sœurs, la manne, c'est la situation où tout ce que tu vis, c'est toujours la même chose. La manne, c'est les expériences de la vie où tu as juste le nécessaire, tu n'as jamais un plus, tu ne connais pas ce qu'on appelle l'abondance. La manne, c'est les expériences de la vie où là où tu commences bien, tu finis mal. Mais aujourd'hui, la manne s'arrête au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, la manne s'arrête au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, la manne s'arrête au nom de Jésus-Christ. La manne, c'est la nourriture de la souffrance. Tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Tu manges, mais tu n'es pas content. Toi-même, pendant 40 ans, tu manges placali matin, midi, soir. Le soir, midi, matin. Et tu seras content. Tu es vaincu. On dit 40 ans de placali. Même nourriture. Quand ils sont arrivés dans la terre promise. Maintenant là. Là où il y a le lait et le miel, c'est ce que tu vas bénéficier. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi mon lait et mon miel. Seigneur, donne-moi mon lait et mon miel. Mes frères, écoutez bien. Il y a des gens, ils n'ont rien vu dans 2016, c'est fini. Même jusqu'à présent, ils se demandent, d'autres années, là, est fini comme ça. Il y en a souvent, quand eux ils rentrent dans l'année, ils ont déjà mis dans leur tête que janvier est difficile. Donc c'est en février, ils espèrent quelque chose. Mais il y a des gens aussi, comme Josué, le peuple d'Israël, dès qu'ils sont rentrés dans la terre promise, ils ont commencé à manger les productions, les fruits de la terre promise. 2017 là,
1er janvier, tu es béni. 2 janvier, tu es prospère. 3 janvier, tu avances. 4 janvier, tu es élevé. 5 janvier, tu vas de l'avant. J'ai dit 2017 là. Janvier, ça sera un mois extraordinaire pour toi. Amen. Je reçois toutes les meilleures productions de 2017. Tu reçois maintenant même, Quand on était en train de faire tout, le frère Alexis, l'évangéliste Alexis est venu me dire, il dit, papa, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler de Paris. Il dit, on t'attend là-bas. Le soleil s'est même pas encore levé pour moi à commencer. Yeah! Pour toi aussi, commence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il paraît qu'il y a un problème de réseau sur affaire de Orange Money. Ici, tu accrèmes la cité du... Possible. Tu reçois l'argent dans ton portable au nom de Jésus-Christ. Je t'ai dit, tu reçois l'argent dans ton portable au nom de Jésus-Christ. Quand tu rentres dans une année, tu n'es pas obligé d'attendre le 6e mois pour voir la bénédiction de l'année. Dès qu'Israël est rentré, ils ont commencé à manger les productions du pays. Alléluia. Amen. Et quand Josué était là, il regarde là-bas. Il voit quoi? Jéricho. Une ville digba comme ça, grande muraille. Josué regarde. Josué, qu'est-ce qu'il y a? Israël regarde. Israël, qu'est-ce qu'il y a? Voilà l'obstacle. Vas-y, tu tiens. Voilà la difficulté. Vas-y, à poil. Voici les problèmes. Vas-y, ne dis jamais. Mais Dieu qui est bon. Dieu ne les a pas abandonnés. Alléluia. Amen. Pardonnez, lisez-moi le verset 13, s'il vous plaît. Verset 13. Oui. Comme Josué était près de Jéricho, oui. Il leva les yeux et regarda. Attends. On dit qu'il était près de quoi? Jéricho. Ah, mais il n'y a pas du Jéricho, Pierre. Dès qu'ils sont entrés dans la terre promise, voilà le premier grand défi. Jéricho. Ah, le Jéricho. Il y a des défis que Dieu va envoyer contre nos vies. Mais le défi ne doit pas nous faire fuir. Chaque défi de ta vie en 2017, faut les considérer comme des occasions pour voir le miracle de Dieu dans ta vie. Amen. Et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Amen. C'est souvent à travers les défis qu'on voit la grandeur de Dieu.